Thomas, avez-vous vu ma femme? Oui, Sir Garrick. Lady Courtney est au jardin. Dois-je aller la chercher? Non, ne vous dérangez pas, j'y vais. Bon, je veux que vous répétiez à ma femme ce que vous venez de me dire. Qui vous envoie? Voilà, j'en sais rien du tout. Le monsieur m'a dit d'apporter le message. Je l'avais jamais vu avant. Il m'a promis une récompense. Anna, voici le message. Gardons notre sang-froid. Les dieux auront peut-être entendu nos prières. Lord et Lady Courtney, je suis sûre que votre offre d'une très généreuse récompense aura poussé de nombreux imposteurs et escrocs à vous donner de fausses nouvelles de la dame que vous recherchez. Je vais en conséquence vous prouver ma bonne foi en vous livrant un détail qui n'est pas signalé sur l'avis de recherche. Cette dame est enceinte. Oh. Si vous voulez en savoir plus, je vous attendrai l'un et l'autre au village de Coweto. Je dois instamment vous prier de venir seule, sans escorte militaire. Autrement, vous perdrez toute autre occasion d'avoir des nouvelles authentiques de la personne à laquelle vous tenez tant. Oh, Garrick, rendez-vous compte, deux merveilleuses nouvelles d'un coup. Santaine est en vie, et elle n'a pas perdu le bébé. Oh, oh mon Dieu, j'oubliais. Elle doit être sur le point d'accoucher. Bébé veut sortir. Dieu, non, c'est trop dur. C'est trop dur. Ah! Allez, toi. Ah! Allez, pousse, pousse. Grand-mère va aider pousser. Pousser avec toi. Maintenant! Ah! Encore! Allez! Pousse! Santaine à Roster. Sur un vrai petit lion. C'était là, toi, et oui. Ce bébé ne serait pas vivant. Je veux que vous lui donniez son nom. S'appelle Shaza. Shaza. Shaza, ça veut dire de l'eau. Meilleure chose dans le monde. C'est un très beau nom, mais... Shaza, Michael.
Gary. Courtney. Gardez votre calme. Avec cette populace, il ne faut pas montrer sa peur. Dégagez! Recule! Bienvenue à Coeto. Si vous voulez bien me suivre. Mais c'est l'homme qui nous a apporté le message. Oui. De toute évidence, c'est un piège. Je crois que non. C'est de la stratégie. Sir Garrick et Lady Courtney, je présume. Je suis l'otard de l'arrêt. Je vous en prie. Comment allez-vous? Ce monsieur est notre cousin, Monsieur Blaine Malcomas. Il a eu l'obligeance de nous accompagner. Ne nous sommes-nous pas déjà vus, Monsieur Malcomas? Non, je suis sûr que non. Bien. Asseyez-vous. Malcomas, c'est un nom bien anglais, n'est-ce pas? Je vous en prie, ne vous gênez pas, faites comme chez vous. Et, monsieur Malcomas, posez donc sur cette table le revolver que vous cachez sous votre veston. Je vous conseille de ne pas faire de mouvements trop brusques. Voilà qui est bien. Pardonnez cette hospitalité spartiate. Avant la guerre, je vous aurais souhaité la bienvenue dans un domaine de 16 000 hectares et une résidence de plusieurs centaines de pièces, mais les soldats de sa très gracieuse majesté britannique m'ont dépouillé de tous les biens que mes ancêtres avaient gagnés avec leur propre sang et avec leur sueur. Ils ont fait de moi un hors-la-loi, un homme en marge de leur code de voleur. Ne serait-ce pas que vous êtes plus familiarisé avec les mœurs? Calmez-vous, l'anglais, calmez-vous. Votre camp a gagné. Cela devrait vous suffire. Vous affirmez avoir des nouvelles de Mademoiselle Santenby. Je l'ai vue il y a à peu près 15 jours. Et sa santé semblait excellente. Elle vit avec un groupe de sauvages de l'intérieur. Il est probable qu'ils en ont fait leur esclave, mais je le répète, elle se porte bien. Mais Monsieur elle... Delaray, vous nous demandez de vous croire sur parole. Mais pour un Anglais, vous devez le comprendre. Elle n'a aucune espèce de valeur. Voulez-vous examiner ses cheveux, madame? Oh, ce sont ceux de Santenby. Il n'y a pas le moindre doute. Ce sont les cheveux de Santenby. Donnez-les-moi. Je vous en prie. Monsieur, je vous en prie. Non. Maintenant. Le moment est venu de mettre les choses au point une fois pour toutes. Les règles de notre accord, c'est moi et moi seul qui en déciderai. Que voulez-vous dire? Que je n'ai pas l'intention, mais pas la moindre, de vous révéler où Santenby se trouve.
Mais enfin, c'est du chantage, ni plus ni moins. Si c'est une question d'argent, monsieur... Je veux une amnistie complète signée par le gouverneur de l'État pour moi et tous mes hommes. C'est hors de question. Vous et votre ramassis de coupe-charrette avez commis les plus abominables crimes, du pillage au meurtre. Vous avez même trahi votre propre patrie. Votre conception de la patrie me semble très discutable, Malcolm S. En tout cas, c'est à prendre ou à laisser. Oh. Garrick, faites-le. Dites oui. Vous avez de l'influence. Vous connaissez tout le monde. Dites oui. Je crois que nous... nous pouvons essayer. Bon. Eh bien, Sir Garrick, retournez en ville et mettez-vous tout de suite au travail. Et n'oubliez pas, votre seul espoir de revoir cette jeune femme est dans cette amnistie. Tu as trouvé ces cailloux? Dans un passage de la montagne. Il y en a des quantités. Beau centaine. C'est pour toi, Annie. Je l'ai fait pour toi. Vieille Annie? Merci, centaine. Ce n'est rien, Annie. Ça me fait très plaisir. Ici, centaine pas heureuse. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? C'est le paradis ici. Paradis quelquefois ennuyeux. Nous ici parce que fini notre vie. Toi encore beaucoup vie. Nous allons camper ici. Commence à se faire tard. T'as encore de l'espoir. Je l'ai vue. Elle existe. Nous continuerons demain. Ta mère est vraiment la reine des chasseurs, Chazin. 2 heures que nous allons y venons, et nous n'avons même pas attrapé un ver de terre. Et des traces de sabots. Des zèbres, peut-être. Oh, ça, ça serait quelque chose de ramener un zèbre à Annie. Oh. Mais non, je me trompe. Ces sabots. Ce sont des fers. Ce ne sont pas des zèbres, mais des chevaux. Des chevaux avec des cavaliers. Et les empreintes sont fraîches, Chaza. Tu te rends compte? Il y a des cavaliers, ils sont tout près de nous. Des cavaliers. Adieu, Annie. Je ne t'oublierai jamais. Je me souviendrai de toi comme de ma vraie mère. Pardonne-moi, mais il faut que je parte. Le moment est venu pour Chaza et moi de retourner auprès des nôtres. Toi, et oui. Adieu, maman.
tarder à voir leur camp. Messieurs les cavaliers, je vous en prie, attendez-nous. Nous arrivons, attendez-nous. Toujours pas d'animaux. Pourquoi? Ils n'ont pas pu sentir notre odeur. Nous sommes contre le vent. Peut-être que quelque chose... Centaine, Centaine, il n'y a plus de danger. Hendrix, il faut la descendre de là. Elle va perdre tout son sang. Centaine. Montez une tente pour la dame et qu'elle soit bien aérée. Trouvez-moi de l'eau fraîche, beaucoup et avant la nuit. Compris? Allez, dépêchez-vous, dépêchez-vous! Elle a perdu beaucoup de sang. Elle est brûlante de fièvre. Alors prends deux hommes avec toi et allez chasser. Il faut beaucoup de viande, rouge et crue. Et attraper une chèvre ou un zèbre femelle. Je veux du lait pour l'enfant. Dormant se réveille enfin. Il était temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui êtes-vous? Je m'appelle Lothar de Larrey. J'ai tué le lion. Oui. Je me souviens de cela. Mais c'est vague. Et ensuite? Eh bien, vous avez perdu beaucoup de sang. Et vos blessures se sont infectées. Il y a combien de... 3 jours.
Mais le pire est passé. Je crains que vous ne puissiez marcher pendant quelques jours, Madame Courtenay. Comment savez-vous mon nom? Votre oncle par alliance m'a envoyé vous chercher. Mon oncle par alliance? Vous parlez de Sir Garrick, l'oncle de Michael, c'est ça? Oui. Et surtout sa femme. Une personne très décidée, Lady Anne. Lady Anne? Une femme plutôt rondelette, avec des tresses, belge. Anna? Mon Dieu, elle est vivante? Oh oui. Ça, on peut le dire. Elle a épousé un parent de Michael. Ça, alors qu'il aurait cru. Le jeune homme a faim, on dirait. Voulez-vous sortir un moment, s'il vous plaît? Je vais lui donner le sein. Vous n'avez pas de lait. Comment savez-vous cela? Pas de fausse pudeur, voyons. Il fallait bien que quelqu'un s'occupe de vous. Je l'ai fait. Et je vous assure que j'ai été le seul à entrer ici. Ce qu'on t'a enseigné. C'est bon. Quel nom lui avez-vous donné? Shaza. C'est un nom nègre. Un nom africain et très beau. Shaza est africain, comme son père. Avec les bébés. Oui. J'ai eu un fils et une femme. Et où sont-ils? Ils sont morts. D'avoir les jambes en coton, moins fortes que celles de Shaza. Il ne faut pas en faire trop pour votre première sortie. Dans 2 ou 3 jours, vous serez capable d'aller et venir toute seule. Ils sont superbes, ces chevaux. Oui. J'avais un magnifique étalon blanc. Nuage. Mais la guerre me l'a pris. Lui et tout le reste. La guerre, elle m'a tout pris à moi aussi. Mais ma guerre continue toujours. Qui a scellé ce cheval? C'est moi, patron. Espèce de fumier. Tu n'as pas vu que tu avais fendu le cuir jusqu'à l'os? Hein? Que vous ayez assisté à ça. Je ne pensais pas qu'on puisse traiter un être humain comme ça. Vous venez d'Europe, sans peine.
Ici, c'est l'Afrique. C'est immense et sauvage. Dans ce pays, la vie ou la mort dépend du bon état d'un cheval. C'est un monde différent, avec des règles différentes. La seule loi qui compte est la loi du plus fort. Et le plus fort ici, c'est toujours l'homme blanc. N'oubliez pas ça, si vous voulez survivre. Je veux survivre, mais pas à n'importe quel prix. Puis-je entrer? Bien sûr, je t'en prie. Pleure pas, bébé. Pleure pas. Sois sage. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas ce qu'il a. Il arrête pas de crier. Je crois pas qu'il ait de la fièvre. Je voudrais tant qu'Anna soit ici. Je connais rien aux enfants. Aïe. Un vrai bébé requin. Ce n'est rien, il fait ses dents. Apportez-moi l'huile que je vous ai donnée. Vas-y. Tenez. Voilà. C'est fini. Oui. Et voilà, l'affaire est réglée. Bientôt, je serai amnistié. Ce sera la fin de cette existence. Je serai un homme libre. Mon passé sera effacé. Et mon avenir? Si tu le veux. De Sir Gary Courtney. J'ai le plaisir de vous informer que j'ai en ma possession un document vous accordant une amnistie à vous et à vos hommes signée par le ministre de la Justice de l'Union Sud-Africaine. C'est Anna qui m'écrit. Elle est si dotée de son mari. Je veux partir. Le plus tôt possible, demain à l'aube. Hendrix, faites en sorte que tout soit prêt pour le départ. Moi, je montrerai les talons noirs.
Nous partirons quand moi je le dirai, et seulement quand moi je le dirai. Maintenant, rentrez dans votre tente. J'ai affaire. Vous avez entendu? Alors! Dodo, l'enfant doux. Dodo, l'enfant doux. L'enfant dormira bien vite. Ne t'avise plus jamais d'entrer ici sans avoir eu ma permission. Je te demande de ne plus jamais donner d'ordre à mes hommes en ma présence. Tu as compris? Il s'agissait d'une requête, non d'un ordre. Non, je n'ai pas compris. Ces gens sont des animaux. Pour eux, une femme, c'est deux fois moins que rien. Comment veux-tu que mes hommes arrivent à me craindre et à m'obéir si je ne te domine pas? Ridicule. L'autorité d'un vrai homme ne repose pas sur des considérations si triviales. Mais que sais-tu des hommes, des vrais? Toi, la putain d'une marionnette britannique. Non, lâche-moi. Je t'aime, tu entends? Je t'aime. Et tu m'en fous. Non, jamais. Tu m'as insulté. C'est parce que je suis jaloux. Je ne supporte pas l'idée que tu appartiennes à quelqu'un d'autre. Tu es à moi, rien qu'à moi. Tu n'appartiens qu'à moi. Lâche-moi, je n'appartiens à personne. Si à moi. Pour toujours. Non. Non. Je ne peux pas. Si. Tu peux. Tu meurs en vie. Tu meurs en vie, moi aussi. Nous le voulons tous les deux. Avec toi, toujours, toujours. Réveillez le bébé. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on a eu des visiteurs cette nuit. Les Bushman, ces enfants de salon.
Qu'est-ce qu'ils cherchaient d'après toi? Peut-être nos chevaux. Ou la fille. Quelque chose les a dérangés. Est-ce que tu veux qu'on les traque? Pourquoi pas? Nous ne levons pas le camp avant cet après-midi. Ils ne doivent pas être loin. Ça occupera les hommes en attendant. La flèche! Il fallait! Debout! Tu viens avec nous? Non. Non, garde le camp. J'ai entendu des coups de feu. Où sont-ils tous? Ils sont allés chasser. Chasser quoi? Les Bushmen. Surveillez Shaza!
Je n'ai plus rien. Plus rien. Ce que j'avais de plus cher au monde m'a été pris. C'est terminé. Plus jamais. Plus jamais, je jure, plus jamais je ne tolérerai qu'on me prenne quoi que ce soit. Dorénavant, c'est moi qui prendrai. Moi qui prendrai. Où étais-tu? J'allais envoyer des hommes à ta recherche. Tu as de la chance qu'Hendrick soit une si bonne nounou. Qu'est-ce qu'il y a? Tu les as tués. Je t'ai vu. J'ai tout vu, tout. Mais de quoi parles-tu? Qui ai-je tué? Les deux êtres les plus généreux, les plus nobles que j'ai connus. Tu les as traqués, pourchassés. Tu les as massacrés comme des animaux. Mais les Bushmen sont des animaux, nom de Dieu. Regarde les choses en face et ne te conduis pas comme une stupide femelle hystérique. C'est toi, quel animal lotin. Tu es un meurtrier. Ah! Je t'aime, Santaine. Il faut que je fasse ça, autrement ils te tueront. Non! Voilà, voilà, c'est comme ça qu'on traque les femelles. Non! Non! Lâche-moi! Ne me touche pas! Non! 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 Lâche-moi! Non! Thank you.
centaines. Centaines. Laisse-moi t'expliquer, je t'en prie. Je ne vois que l'auteur de l'arrêt. Prenez patience. Il est prudent, c'est tout. Il est probable qu'il se méfie et craint un piège tendu par les militaires. Mais il a ma parole. Laissez-moi régler ça. S'il vous plaît, confiez-moi le document. Et tenez-vous prêt avec l'argent. Accident? Ce n'est rien. Vous avez l'amnistie? Pas avant d'avoir vu Madame Centaine saine et sauve, comme convenu. Vous n'avez pas confiance? Pas la moindre. Que la fille approche seule. Chère Centaine. Oh, ne soyez pas si pompeux, Gary. Donnez-leur un bon gros baiser à tous les deux. Oh, regardez ce magnifique enfant. Oh. Et Madame Centaine. Oh, ma chère, je manque à tous mes devoirs. Monsieur Malcolm S., son concours a été providentiel pendant ces épreuves. Peut-être désirez-vous remercier cet homme avant votre départ. Je n'ai absolument rien à lui dire. Donnez-lui son argent et qu'il disparaisse. Pendant les 2 mois qui suivirent, je vécus chez Anna et Garrick, dans leur superbe maison.
Alors, tu trouves quelque chose qui te plaît? Je ne les ai même pas essayés. Je suis probablement devenue demi-sauvage. Ridicule. Tu es plus belle que jamais. Voilà presque 2 mois que tu es rentrée. Et la moitié de la ville meurt d'envie de te voir. Je n'ai aucune envie d'être examinée comme une bête curieuse. Ma chérie, tu sais bien que tu n'as jamais rien pu me cacher. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, tu as raison. Je ne savais pas comment te le dire. Je suis enceinte. Enceinte? Oui. J'espérais me tromper, j'ai attendu, mais maintenant j'en suis sûre. C'était dans ça. Ce bandit avec ses yeux de chat aux aguets. C'est pour ça que tu l'as traité comme un ennemi. Il t'a violé. Oh, il va avoir affaire à moi. Je le retrouverai. Et je le ferai châtrer comme un animal. Anna, il ne m'a pas violé. Il ne t'a pas prise de force? Non. Si. Enfin. Anna, essaie de comprendre. J'étais si seule et au début, il était si gentil, si prévenant et tellement beau. Et il m'avait sauvé la vie. Anna, est-ce que tu comprends? Oui, mon ange. Oui, je comprends. Mais il faut te débarrasser de l'enfant. Non, c'est mon enfant aussi. Écoute-moi, Santaine. Tu n'es pas mariée et... Garrick, Dieu le bénisse, est un ange, mais tu ne peux introduire un second bâtard dans sa maison. Il faut te faire avorter dans ton intérêt. Et par égard pour cette maison où tu as été reçue à bras ouverts. Anna, non, je peux pas faire ça. Tu aimes cet homme. C'est un meurtrier. Je le hais de tout mon cœur. Alors débarrasse-toi de l'enfant. Avant qu'il ne nous détruise, toi, Shaza et nous tous. Ah oui, c'est une époque bénie. Il y avait une fortune qui vous attendait sous chaque caillou. Il suffisait de savoir où regarder. Il fallait également savoir distinguer les vrais diamants comme ceci, des morceaux de quartz qu'on trouvait partout. Et vous étiez riche du jour au lendemain. Ce sont des diamants? Oui, ma chère, des diamants bruts, bien sûr. Et ils proviennent d'un nouveau filon d'une exceptionnelle pureté. Il va falloir que je me résigne à amasser quelques millions de livres de plus. Et comment distingue-t-on un vrai diamant d'un faux diamant? Oh, c'est très simple. Vous le plongez dans un récipient plein d'eau. S'il est faux, il en ressortira mouillé et ruisselant. Un vrai diamant, lui, reste toujours sec. Excusez-moi, une affreuse migraine. Je vous en prie, continuez. Sœur Joseph, je vous avais demandé de faire preuve de tact. Oh, j'étais loin d'imaginer. Tout d'abord, elle ne semblait pas gênée, mais pas le moins du monde. Je ne saisis toujours pas pourquoi vous êtes venu me voir. Monsieur Twentyman Jones, n'avez-vous pas la réputation d'être le plus grand expert en diamants de tout le sud-ouest africain? Si, enfin on le prétend. Alors vous êtes l'homme que je cherche. Je crois bien que j'ai découvert un gisement de diamants d'une exceptionnelle valeur. Oh, félicitations, apportez-moi quelques prélèvements et je me ferai un plaisir de les analyser pour vous. Non, Twentyman, vous ne comprenez pas. Ce ne sont pas les échantillons qui viendront à vous, c'est vous qui irez à eux. J'avoue que je ne vous suis guère. Vous allez venir avec moi. Nous retrouverons l'endroit, nous prospecterons, nous ferons le marquage et toutes les démarches nécessaires pour valider la concession.
Madame, je crois... Vous ne semblez pas comprendre. J'exerce mon métier ici, en ville, dans mon laboratoire. Ça vous suffit de vivre dans ce trou comme une souris? À expertiser des diamants pour des prunes? Madame, je vous assure que mes honoraires sont satisfaisants. Toi, Tim. Là-bas, c'est la vraie vie. L'aventure. Et qui sait? Peut-être l'amour, hein? Ma foi, je comptais aller faire un tour un de ces jours là-bas. Eh bien, ça ne dépend que de vous. Et je ne vous parle pas des 3% de la valeur brute de la mine. 3%? Hein? Il faut que j'engage de la main-d'œuvre et un guide. Ah, voilà une surprise. Ah, Hendrix. Voulez-vous dire à votre patron qu'il faut que je lui parle? Chérie, j'ai tellement rêvé de ce moment. J'avais presque renoncé à l'espoir de te revoir. Ne me touchez pas. Ne me touchez plus jamais. Mais alors pourquoi es-tu venue? Pour affaire. Pour affaire? Oui, je veux que vous me rameniez à la savane. À l'endroit exact où vous m'avez trouvé. Je n'y arriverai pas toute seule. Pourquoi? Ça ne vous regarde pas, Lothar. Je vous paierai pour ce travail. Je ne suis pas un guide touristique. J'ai mes propres affaires et je n'ai pas besoin de ton argent. J'ai pris mes renseignements. Vous ne roulez pas sur l'or depuis que vous avez renoncé au pillage et au meurtre. Vos affaires vont très mal. Je peux vous renflouer. Centaine. Même s'il n'y avait que ton argent pour me tirer d'affaire, ma réponse serait non. C'est non, je refuse. Oh, si vous accepterez. Vous accepterez parce que je vais vous offrir une chose qui pour vous vaut beaucoup plus que l'argent. Beaucoup plus. En échange de votre aide, je vous donnerai le bâtard que vous avez planté en moi. Un enfant? Nous allons avoir un enfant. Un enfant à nous, mais c'est fantastique. Attendez, ce n'est pas de notre enfant qu'il s'agit, c'est du vôtre. Je ne veux plus en entendre parler après sa naissance. C'est l'enfant d'un hors-la-loi, d'un violeur et d'un assassin. Je le hais autant que je vous hais. N'oubliez jamais ça, Lothar de Larrey. Rester seul ici avec ce pantin qui ne distingue pas un balai d'un fusil? Ne vous inquiétez pas. Je saurai me débrouiller pour deux. Et revenez nous chercher dans un mois, comme convenu. Et si je ne revenais pas du tout? Non, Lothar. Vous reviendrez. C'est vrai. Je reviendrai. Parce que je ne peux pas m'empêcher de t'aimer, Centaine. Thank you.
En route. Monsieur Twentyman Jones, qu'est-ce que vous fabriquez exactement? Je m'apprête à me coucher, Madame Courtenay. Je suis un peu fatigué ce soir et... Et la nuit ne va pas tarder. Mais c'est la nuit que nous nous déplaçons, mon ami. Je rassemble mon équipement et en route. Non. Madame... J'ai ramassé les pierres pour le collier d'Annie. Et il y en a partout. Partout, dans toute la montagne. Des pierres. Elle appelle ça des pierres. Oh mon Dieu! Madame Courtenay, de toute évidence, il nous faudra prospecter plus profond. Mais à en juger par les couches superficielles que j'ai pu examiner, j'ai calculé que nous, que la mine donnerait une moyenne de 26 carats par 112 livres de matière première. Comprenez-vous ce que cela veut dire? La mine de Wesselton, la mine la plus riche du Sud-Africain, ne donne qu'une moyenne de 16 carats. Celle-ci donnera presque le double. Madame Courtenay, cette montagne est littéralement truffée de diamants. Commission des droits d'exploitation minière. Madame, si vous voulez bien me suivre, ces messieurs vous attendent. Je m'appelle Abrahams. Je suis l'avocat de Madame Centaine de Thierry Courtenay. Je présente mes excuses à la commission pour oser paraître ici poussiéreuse comme un chamelier, mais j'ai parcouru 400 miles sans m'arrêter une fois. Vous pouvez imaginer ma hâte à connaître votre décision. Bien sûr. Eh bien, madame, après un examen attentif et minutieux des documents fournis concernant la mine pour laquelle vous revendiquez le droit d'exploitation, si je ne suis pas indiscret, avez-vous prospecté cet énorme territoire toute seule? Eh bien, non. En fait, je n'étais pas vraiment toute seule, mais j'ai beaucoup travaillé pendant ces 6 mois, voyez-vous. Parfait. Eh bien... La validité des éléments relatifs à cette affaire étant par nous reconnue, nous accédons à votre demande et vous félicitons. Un moment, monsieur le président, il y a une chose qui manque. Qu'est-ce que c'est? Ben juste, il n'a pas été donné de nom à cette mine. Il faut lui donner un nom, madame Courtenay, pour l'enregistrement. Oui. Oui. Elle s'appellera Annie. Annie, c'est bien. Vous êtes satisfaite? Satisfaite, comblée, oui. Pourquoi l'avez-vous appelée Annie? Annie? Oui.
Le Seigneur soit loué. Vous êtes revenu à vous. Non, non. Non, remportez-le. Je ne veux rien avoir à faire avec lui. Ridicule. Il a fait plus que sa part en venant au monde avec un minimum d'embarras. Et il a faim. À vous maintenant de faire votre part. Heureusement, ils ont pu te conduire à cette mission à temps. C'est un garçon. Je souhaiterais qu'il s'appelle Manfred. Comme mon fils. Celui que j'ai perdu. Connu de douceur dans ma vie jusqu'à ta venue. Seulement la haine et la violence. Aujourd'hui, nous avons un fils. Je t'aime. Centaine, marions-nous. Pardonne-moi et nous repartirons à zéro. Gèlera en enfer. Non. Je t'en prie. Un marché est un marché. J'espère que je ne vous dérange pas, Madame Courtenay. Les religieuses m'ont dit que vous étiez hors de danger. J'ai tenu à vous annoncer tout de suite la fabule. Mis à jour, le filon premier des diamants, et il excède à la fois en qualité et en quantité mes plus optimistes espérances. Madame Courtenay, en ce moment, vous êtes probablement oui. La femme la plus riche du monde. La plus solitaire. Je ne revis pas mon fils cadet, ni son père pendant les 18 années qui suivirent. Doucement! Encore un peu. C'est bon! Thank you.
Les cales sont pleines à ras-bord. Nous avons au moins 10 tonnes de poissons. Au moins 10 tonnes. Bravo, Manfred. Excellente nouvelle. Il y en a assez pour faire tourner l'usine un mois de plus. Et pour payer une partie de nos dettes. Alors, à mon avis, ça sert aux un truc comme ça. Oui. Plus tard, Hendrix. Faut que je me lave et que je m'habille. Premier jour à terre, n'oublie pas. Je porte toujours des fleurs sur la tombe de maman. Ouais. Oui, j'avais oublié. Hendrix, était-elle une aussi belle femme que mon père le prétend? Manfred, je te l'ai déjà dit plus de 1000 fois. Oui, je sais que tu me l'as déjà dit. Mais tu m'as pas dit à quoi elle ressemblait. Nous n'avons pas une seule photographie d'elle. Je ne les ai pas gardées. Elle me rappelait trop sa mort à ta venue au monde. Dépêche-toi, tu vas être en retard. Oui. Lothar, tu crois pas qu'un de ces jours, tu devrais quand même lui dire la vérité? Après tout, sa mère est vivante, c'est une des femmes les plus riches du monde, et lui, il continue à s'échiner comme le dernier des débardeurs du port. Hendrix, vieux frère. Si Manfred apprenait que sa mère n'est pas une bourre, tu sais ce qu'il ferait. Il te trancherait la gorge d'une oreille à l'autre. Et je ferais pareil. Compris? On a peut-être travaillé pour rien. La cargaison risque d'être foutue. Cet imbécile de Willem n'a rien préparé. Regardez-moi ça. Il n'y a pas de fumée. Il n'a pas allumé les fours. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit de fermer les fours. J'ai une cargaison qui vient d'arriver. J'ai des ouvriers qui attendent d'en travailler. Regardez, j'ai... Et il y a pire. Bien pire. Oui. Je vais régler ça. Toi et Manfred, restez à bord. Ah, monsieur de la Reine, Dieu merci, vous voilà. Monsieur Lothar de la Reine? Oui. C'est vous le propriétaire de la conserverie du sud-ouest africain? Oui, et vous, qui êtes-vous? Le représentant de la loi à Windhoek. J'ai ici un ordre de mise sous séquestre de tous les biens immobiliers et avoirs de la compagnie. Ils m'ont forcé à fermer l'usine et ils m'ont fait éteindre les fours. Votre bateau s'est sous-scellé. Je vous préviens que toute tentative de déchargement sera sanctionnée. Nom de Dieu, vous ne pouvez pas faire ça. J'ai à bord des tonnes de poissons. Si on ne les traite pas, tout sera pourri demain matin. Rien à ajouter. Tout appartient maintenant à Courtney et compagnie. Merci. Terminé, excusez-moi. Chaza? Je vous connais. Non, mais vous, tout le monde vous connaît. Qui n'a pas entendu parler des Courtenay dans le pays? Je n'entrerai pas à votre place. Ma mère y est et vérifie les comptes. Une activité qui la rend parfois grincheuse, peu avenante. Croyez-moi sur parole, n'y allez pas. Merci de ce renseignement. Mais pour le moment, c'est encore moi le patron ici. Alors tu as enfin trouvé l'occasion que tu attendais. Tu es venu ici pour me détruire? Vous vous surestimez, il me semble. Après tant d'années, Lothar de la Reine, je ne m'intéresse plus à votre personne. Je suis ici pour protéger mes investissements. 50 000 livres, plus les intérêts. J'ai des tonnes de poissons sur ce bateau. Dans quelques jours, je pourrai être remboursé. Lothar, redescendez un peu sur terre. Ce poisson n'a strictement aucune valeur. On n'en veut plus, quel qu'en soit le prix. Il a de la valeur. Écoutez. Tous les magasins, tous les entrepôts du monde sont bourrés de marchandises invendues. Lisez les journaux. Écoutez la TSF. Il y a une énorme crise, je le sais, mais... Mais malgré tout, les gens mangent. Ce qui se passe actuellement n'a rien à voir avec les crises qui ont eu lieu auparavant. Les affaires sont stagnantes et les faillites s'accélèrent tous les jours. Les villes croulent sous le nombre de chômeurs. Si tu ne veux pas le faire pour moi, fais-le au moins pour l'enfant que nous avons eu ensemble. Il a aujourd'hui... Ne parle pas de cet enfant, nous avons fait un marché. Tu te souviens? Centaines. Je ne suis pas homme à mendier. Donne-moi une semaine de plus. Une petite semaine et rien d'autre. Et vous croyez qu'une semaine changera tout?
Vous êtes bien placé pour savoir que les choses ne changent pas comme ça. Ce qui est fait peut être défait. Les morts ne ressuscitent pas, jamais. Ne restez pas là. Débarquez. Ils vont poser les scellés. Hé, hey, toi, tu es sourd? À terre, toi aussi, à terre. Ce bateau a un nom? Un nom? Pourquoi? C'est un bateau de pêche. Tous les bateaux devraient avoir un nom. Même s'ils ressemblent à une boîte à ordures. Ah, voyez-vous ça? Sa Majesté a le nez très chatouilleux. Non, mais j'ai le sens pratique. Ma mère est le nouveau propriétaire de ces rafiots. Alors vous êtes... Chaza Courtenay. Et qui êtes-vous? Manfred, de la Raie. Comme mon père et mon grand-père, qui ont étripé les Anglais, qui ont eu le malheur de se trouver sur leur chemin. Oui, mais nous avons gagné la guerre. Et en 1914, nous avons balayé les bourgs. Mou, il a dit, cette poupée parfumée aurait gagné la guerre. Il embaume le cher petit, on aurait dû le baptiser Lavande. Vous habitez Londres, général Lavande? Non, j'habite le Cap, généralement. Un South Spill. Vous ne comprenez pas l'africanair. Un South Spill est une créature qui a un pied au Cap et l'autre pied en Angleterre. Et sa zézette, toute petite et toute flasque, fait trempette dans l'océan. Par Dieu, vous allez retirer ces paroles. Ah oui. Allez, c'est bon. Allez, vas-y. Général Lavande. J'ai eu tort de perdre la tête. Vous et votre bâtard de fils. Jamais vous ne changerez. Jamais. Est-ce que ça va, mon chéri? Je vais bien, je vais très bien. Quelle odeur, je pue. Je m'attendais à quelque chose de ce genre. Alors, comment ça a commencé? Eh bien, j'ai frappé le premier. Il m'avait insulté et puis on s'est disputé. C'est curieux, tu sais, ce type, je l'avais encore jamais vu. Et pourtant, un seul coup d'œil, j'ai su que nous allions nous battre. Tu n'aurais pas dû l'attaquer. Il est plus jeune que toi. Plus jeune? Mais comment le sais-tu? C'est évident, ça se voit tout de suite.
Non, il est plus fort et plus grand que moi. Et il frappe fort, l'animal. Oui, il t'a pratiquement réduit en bouillie. Ah non, là, t'exagères. Je lui ai poché un œil, je lui ai fait cracher 3 dents et je l'ai presque mis knock-out. Oui, presque. Ça ne suffit pas. Dans notre famille, nous gagnons. Un point, c'est tout. Ne fonce jamais au hasard. N'attaque jamais quelqu'un de plus grand et de plus fort. Ou tu te retrouveras toujours avec un poisson pourri dans la bouche. Tu dois choisir le bon moment et te battre selon tes propres règles, sur ton propre terrain. Ne commence jamais un combat si tu n'es pas sûr de le gagner. Oui, mère. C'est ce que tu as fait avec son père. On dit des choses. Sont vrais. C'est ce que j'ai fait avec son père et avec beaucoup d'autres. Nous sommes des Courtenay. Nous ne nous battons pas avec nos poings, mais avec notre tête, notre puissance et notre fortune. Et sur notre propre terrain, nous sommes invincibles. Oui, mère. Je déteste cette femme et son fils. Nous avions tous poisson et maintenant nous n'avons plus rien. On nous a roulés, Manfred. On nous a roulés. Est-ce que vraiment on ne peut pas faire quelque chose? Ouais, ils ont déjà essayé de nous avoir. Mais on s'en est toujours tiré, pas vrai, patron? Mais cette fois, c'est différent. Pas d'éléphant à chasser, ni de dame à sauver. Mais celle-là, parlons-en. Quand tu l'as secourue, elle n'était rien de plus qu'une bushman. Mais aujourd'hui, elle débarque ici, elle veut nous flanquer dehors. On dirait qu'elle a oublié que c'est toi qui l'as tirée des griffes d'un lion. Qu'elle a oublié que sans toi, elle aurait jamais retrouvé la montagne de diamants. La montagne de diamants. Elle a eu tort de nous pousser à bout. Nous allons reprendre ce qui est à nous, Manfred, avec les intérêts. Je t'ai dit et répété de ne pas sauter cette haie. C'est trop dangereux. Ah oui? Et qui l'a sauté avec Nuage hier et avant-hier? Je vous ai vu. Je vous ai aussi vu comploter avec ce vieil Abrahams. Et je vous connais. Cette lueur dorée qui brille dans vos yeux, ça veut dire que vous avez réussi un autre coup. Qu'est-ce que vous avez acheté? Eh bien, je ne sais pas si c'est un coup, mais... j'ai acheté une manufacture de tabac et des hauts fourneaux. Je n'y comprends rien. On est en pleine crise. Les usines cessent de produire. Et vous continuez à acheter? Chérie, écoute, en ce moment, garder l'argent est totalement absurde. On peut tout acheter pour 3 fois rien. Tout. Et puis tu sais, aucune crise ne dure éternellement. Quand celle-ci sera terminée, la moitié du pays sera à moi. Ton père était un aviateur, mais de là à avoir cette obsession de voler... L'homme n'a pas été fait pour voler, et cependant il vole. Voler exige la maîtrise de soi, un jugement prompt, précis, et de la rigueur. C'est une bonne formation. Formation pour quoi? Il me faudra prendre un autoplace un jour. Je vois, tu veux déjà mettre ta pauvre vieille mère sur une voie de garage, hein? Très bien. Puisque tu y tiens tant, tu vas venir avec moi à ma prochaine tournée à la mine. Mais pour apprendre cette fois, et tu commenceras tout en bas. Ha 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 ha!
La coule douce ici, on dirait, Savage. Avec le pognon que j'ai eu, quand on s'est séparés, je me suis payé une bonne douzaine de femmes. Et je suis peinard. Tu la veux? Elle est à toi, fiston. Elle est vierge. Enfin, presque. C'est encore quelque chose de nouveau pour eux. Dis donc, t'en as pas plein les bottes de cette vie tranquille, ça va te changer. Oh, tu l'as dit, mon vieux. Heureusement qu'il y a des idiots qui se paument dans le coin de temps en temps et qui se laissent plumer sans rien dire. Sinon, on crèverait d'ennui. Tu mijotes quelque chose, patron? Qu'est-ce qui te fait croire ça? Tu n'as pas fait tout ce chemin rien que pour dire bonjour. Allez, raconte, patron. Des diamants. La mine Annie. La plus riche du pays. Ils envoient leur production au Cap une fois par mois. 1 million en diamants. Des diamants. Très dangereux, patron. Ça veut dire la corde au cou si on vous attrape. Dans ce pays, oui. D'abord, on reconstitue notre ancienne bande. Puis on vole assez de chevaux pour pouvoir changer de monture à mi-chemin de la mine et de la frontière du Nord. Et une fois sorti de l'Afrique du Sud, plus de problème. On est en train de parler de centaines de kilomètres en terrain difficile, patron. Allez, Savage. Ça marchera. Jamais ils nous ont coincés dans le temps. Rappelle-toi. C'est d'accord. Ça me va. Et en plus, je peux être utile. Ah oui, j'ai deux types de copains qui traînent au village, là, tout près de la mine. Varkian et... Buffalo. Sir Garrick, toujours Blaine pour vous, j'espère. Mon cher ami. Gouverneur, vous souvenez-vous de moi? Et comment vous oublierait-on? Pourtant, nous ne nous sommes vus que quelques instants. Sur ce pont, vous souvenez-vous? Et durant le voyage de retour? Vous oubliez que j'ai passé des jours à votre recherche le long de la côte. Lady Anna m'a tellement parlé de vous que j'ai le sentiment de vous connaître très bien, Santaine. Puis-je vous appeler Santaine? Bien sûr, Blaine. Cher Blaine. Ah, Lady Anna. Quel plaisir de vous revoir. Et vous êtes resplendissante, comme toujours. Réservez vos compliments, Blaine, à ceux qui le méritent vraiment. Anna, il ne convient pas de monopoliser notre hôte plus longtemps. Beaucoup cavent d'impatience à l'idée d'être présentés à notre éminent gouverneur. Voulez-vous m'excuser, je vous prie? Il se bonifie avec l'âge, comme le cognac. Tu ne trouves pas? Si. Qu'est-ce que tu manigances? De quoi parles-tu? Cette lueur dans ton regard.
qu'il s'agisse de diamants, de chevaux ou d'hommes, ne signifie qu'une seule chose. C'est à moi. C'est un personnage public. Il doit veiller très soigneusement à sa réputation. Anna, crois-tu que j'ai porté une ceinture de chasteté pendant ces années ? Ah, mais ce n'est pas une chose à dire ! Ai-je jamais causé le moindre scandale ? Non, il n'y a même pas eu l'ombre d'un ragot. Alors cesse de t'inquiéter. Mais c'est un homme marié ! Bon, ça tombe très bien, j'adore la concurrence. Oh, ma femme, Isabella, madame de Thierry Courtenay. Oh, je suis ravie de faire enfin votre connaissance, madame. J'ai tellement entendu parler de vous. Enchantée de vous connaître. Mmh. Ah, excellent. Vraiment excellent. Mmh. Je n'ai pas dégusté une aussi délicieuse mousse depuis que j'étais enfant en France. Dans notre château. Isabella s'occupe de tout ce qui est cuisine personnellement. Dans mon état, il est hors de question que je me consacre aux affaires comme Madame Courtenay. J'ai beaucoup de temps pour ma maison et pour mes enfants. Vos enfants ? Oui. Deux jeunes filles délicieuses, âgées de 13 et 15 ans. Ah. Et ainsi que toutes les jeunes filles, elles adorent leur père, naturellement. Et naturellement, leur père, comme tous les pères, doit être un tout petit peu déçu de ne pas avoir un héritier. Non, au contraire. Je suis extrêmement heureux d'être entouré de mes femmes. Il est rare, très rare, de trouver tant de beauté et d'intelligence chez une femme. C'est vrai. C'est une femme remarquable. Mais chérie, il ne faut surtout pas croire que je suis jalouse. Ce serait vraiment ridicule. Comment pourrais-je rivaliser ? Elle a fait une mauvaise chute de cheval. Ils ont dépensé une fortune en opération, mais elle est restée paralysée. Pauvre femme, si belle et si malheureuse. Sa famille est très riche. Blaine a une lourde dette envers son beau-père, qui a beaucoup fait pour sa carrière. Cette stupide garce, pourquoi ne s'est-elle pas cassée la tête au lieu de se casser le derrière ? Oh, ce n'est pas juste. Comment lutter contre elle ? Elle a tous les avantages. Jamais Blaine ne voudrait quitter une femme invalide. Jamais. Anna, pourquoi faut-il que les hommes les plus intéressants soient mariés ? Pourquoi ce que je veux est-il toujours si difficile à obtenir ? Ça, ma petite fille. Allez, fous le camp ! Mais pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu fais ça ? Oh ! Je veux plus te voir ici. Allez, Sam, assieds-toi. Mais n'est pas pour toi. Ben assieds-toi, je te dis. Les gars qui travaillent à la mine finissent toujours par s'amener ici. Ils se saoulent la gueule et ils bouffent leur paye avec les putes. Regardez le type, là. Il s'appelle Gerhard Fourie. C'est le contremaître. Un vrai fils de pute. Mais sa parole fait loi pour les mineurs. Est-ce qu'il pourrait engager l'un des nôtres ? Il nous faudrait quelqu'un dans la place pour savoir comment il transporte les diamants à la ville. Ah, il suffit d'un mot de Fourie pour qu'on vous engage comme garde, chauffeur ou mineur. Mais il déteste les noirs et il déteste les métis. Toi, il t'engagerait tout de suite, Lothar. C'est un bourg exactement comme toi. Mais réfléchis, tu peux pas y aller. Beaucoup trop de gens te connaissent à la mine. Le petit a raison. On soupçonnerait quelque chose. Alors qui ? Moi ? Moi, j'irai. Non, c'est trop difficile et trop dangereux.
Tu n'es encore qu'un gosse, Manfred. Tu crois ça? Alors regarde-moi. Une bière. Il a pris ton assiette. Mon assiette? Monsieur, c'est mon ragoût. Quoi, les nègres donnent des ordres ici? Arrêtez! Ça suffit. Donne-lui un autre ragoût, c'est moi qui paye. On se calme. Comment tu t'appelles? Manfred. Bourg? Ouais, bien sûr. Gerhard Fourry. Le vois que tu sais comment il faut traiter ces macaques. Oui. Il serait mieux de rester dans leur village pourri plutôt que de venir ici et voler le pain des blancs en faisant baisser les salaires. Tu cherches du travail? C'est exact, mais du travail de blanc. C'est difficile, monsieur Fourry. T'as de la veine, mon gars. Tu frappes à la bonne porte. Ça te dit de travailler à la mine? J'ai toujours besoin d'hommes de confiance. Travailler à la mine? Ben oui, pourquoi pas. Comme ça, j'apprendrai le métier. Parce que très bientôt, je serai propriétaire d'un tas de mines. À moi tout seul. Ah, t'es un numéro, toi. Je sens qu'on va s'entendre. Allez, viens avec moi. Lui, c'est Manfred. Il va travailler pour moi. Manfred, voici ma fille Sarah. Je vais aller m'asseoir derrière. Non, 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 t'avalerais trop de poussière. Viens avec nous. Sarah va se pousser un peu, hein, chérie? Va à la mine pour compter ses diamants. Elle y va sûrement pour choisir les pierres du prochain envoi. On a juste le temps de finir. Remonte sur le poteau, Savage. Faut être prêt avant la nuit. Ensuite, on verra où Varkian en est avec les chevaux. J'éprouve toujours le même frisson que la première fois quand je viens ici, Shaza.